Bonjour Internet, bonjour petit canard, ici Casabagna, c'est pour ça que la forme de pêche de patate, bonjour les amis, attention. Alors, on va tester aujourd'hui, pour la toute première fois sur la chaîne, une vidéo en VR, donc réalité virtuelle, avec le casque HTC, le HTC Vive, tout simplement. Alors, casque de qualité, j'ai pu donc le tester et faire pas mal de jeux. Alors, c'est pas le même micro que je ne tombe pas avec le micro habituel que. Display, hein. Bien évidemment, j'utilise le micro intégré au casque, c'est pour ça que ma voix est différente que d'habitude. Alors, première vidéo VR, ça risque d'être un petit peu le foutoir, c'est pas évident de mettre en place, mais on s'en fout, on va essayer de se marier. Alors, le casque HTC, comment ça marche? Vous avez le casque sur la tête avec plein de capteurs et vous avez deux espèces de pads comme ceci qui vous permettent d'interagir dans les jeux et vous avez des capteurs dans la pièce pour pouvoir traquer votre position. Alors, je me suis mis des petites oreillettes histoire d'avoir le son du jeu. Le micro est activé, il n'y a plus qu'à mettre le casque sur la tête. Aujourd'hui, les amis, on va tester un jeu tout simple qui s'appelle The Blue. Bon, c'est plus une grosse démo technique avec un côté tranquille, posé, contemplation. Voilà le terme que je cherchais plutôt qu'un vrai jeu. Donc, on commence soft, tranquille, avec une expérience sur The Blue. Je m'arnache, j'ai mis un peu de sueur, j'ai mis un peu de condensation sur mon casque, c'est pas grave. Alors là, je suis parti, donc vous voyez dans la caméra moi-même, IRL, et vous voyez dans, sur la vidéo ce que moi je vois. Donc The Blue, on va se faire un truc tout simple, on va commencer par la rencontre avec la baleine. Si j'arrive, voilà, donc là ça va charger, rencontre avec la baleine, c'est parti. Donc je suis sur un espèce de, je suis sous l'eau, voilà. Dans une épave de bateau, on entend les bruits autour de moi, il y a des raies, des grosses raies qui me passent au-dessus de la tête. Et moi, regardez, il y a une petite raie là-bas, il y a des poissons, je peux un peu les pousser, regardez, comme ceci, pop, 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 leur foutre des claques. Hop, là, ils font un peu de lumière, ils sont mignons. Donc je peux me déplacer, bien évidemment. Et si jamais je me proche trop près d'un mur, le jeu me le dit, il clignote, il fait apparaître un truc. Alors moi, je suis sous l'eau, oh là. J'entends un gros bruit. Oh putain. Matez-moi ça. Donc la rencontre avec la baleine. Ça c'est plutôt méga fun. Bon, vous entendez aussi mon plancher qui grince. Oh la vache. Salut. Coucou la baleine. Genre je peux lui toucher l'œil ou. Bah bouffer la gueule. Wow. Coucou. C'est l'angoisse ce truc, putain. Je vais prendre un coup de patte. Je vais prendre un coup de prendre tout. Wow. Oh putain. Oh le. Ouais, ça pète. Franchement, ça pète. Oula. Voilà. Tout simplement, première démo technique sur The Blue. On a fait la rencontre avec la baleine. Donc vous voyez, c'est très rapide, ça dure pas longtemps, mais c'est assez intense, ce qui me permet de tester vraiment les capacités du casque. Hein. Je suis obligé de faire des petits montages entre chaque vidéo. Nouvelle expérience. On va essayer la migration du récif. C'est parti, chargement. Ah, ça marche. Donc voilà, migration du récif. Nous sommes sur une espèce. Nous sommes toujours sous l'eau, bien évidemment, c'est The Blue. On se trouve sur un espèce de gros caillou. Hop, tiens, petit poisson. Et donc contemplation. Bon ça franchement c'est bien, ça rend grave bien. Oh regardez les anémones. Alors, j'ai essayé de cogner dans le mur. Qui c'est qui veut toucher mes touffes d'herbe? Tiens une éponge. Hop là, tiens petit poisson. Oh. Donc les grandes migrations. J'ai un peu l'air d'un con quand même. Waouh. Regardez au-dessus de nous, on a une tortue. Mettez-moi ça. Tiens, viens là. Oh, ça claque. On s'y croirait, hein. Franchement, ça pète. Hein.
Alors bien évidemment, je vous conseille, si vous testez un jour le HTC, bon là je pars. Oh regardez, il y a un crabe, j'avais jamais vu ça par contre. Putain, je le fais ce truc là. Salut! Allez, maté! Tortue qui fait des bruits comme ça. Donc je vous conseille, hein, si un jour vous testez le HTC, de vous mettre bien en condition. Alors il est vrai que tourner une vidéo, c'est pas pareil que de vraiment profiter du truc à fond, parce que je vous parle en même temps et donc du coup je me décale, je me déconnecte. Je sais que je suis en train de parler tout seul comme un con, mais quand on joue le jeu, mais vous mettez un gros gros casque qui prend les oreilles, vous n'entendez plus rien, vous mettez le son à fond. Et là franchement, vous êtes grave grave bien. Vous voyez tous ces bancs de poissons au-dessus de nous? Alors c'est des grandes migrations. Vous allez vite savoir pourquoi. J'ai mon plancher qui craque. Est-ce que je peux me caresser le machin? Non, ça marche pas. J'ai pas mon ustensile. Ah, toujours un peu de poésie dans mes vidéos. Ah, les grandes migrations, les amis. Voilà pourquoi. On va se faire. Oh. Salut. Salut la tortue. Je suis bien la tortue, non? Les grandes migrations, là, bien regardez ce qui arrive devant nous. Des jellyfish, comme on dit en français, des méduses, des médusas. Donc la grande migration des méduses. Alors pareil, on va pouvoir jouer un peu avec les méduses, on va pouvoir les tripoter. Alors tripoter les méduses. Vous allez me penser que je suis un petit peu cinglé. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo d'expérience, The Blue c'est vraiment plus, voilà, une expérience contemplative, un premier pas dans la VR, ça peut être très très intéressant ce genre de. Hop là, alors on voit les murs, hein. Ça me prévient que là j'approche d'un mur ou d'un obstacle. C'est pratique ça. Donc je disais oui, c'est très bien comme début d'expérience pour les gens qui n'ont pas l'habitude des jeux vidéo. Pour les gens qui ne sont pas des joueurs, pour les gens qui ne connaissent pas la VR, pour un premier pas. Moi par exemple, j'ai mes beaux-parents qui, enfin, même mes parents qui ne jouent absolument pas aux jeux vidéo, qui sont peut-être, voire même très réticents quand on parle de jeux vidéo. Ils ont testé la VR, je les ai fait passer sur. Allez. Oh, regardez, j'ai en train de traumatiser les méduses. Elle se remet droite ou elle part dans le. Ah, elle va partir dans le mauvais sens toute seule. Elle. Tiens, casse-toi. Ah putain. J'ai fait des coups partout. Donc je disais oui, pour les gens qui sont peut-être un peu réticents, c'est très 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 convaincant. Hein. Surtout la première fois que vous le mettez, c'est assez impressionnant de voir tout ce qu'on peut vivre comme expérience sur ce casque. Et on voit les mamans méduses là, qui arrivent, on est droit sur moi. Alors, vous voyez que le jeu est très bien fait. Hein. L'HTC c'est très bien fait. Si je peux baisser, je m'allonge. Regardez. J'ai l'air très con, hein. J'ai ma femme qui rentre à ce moment-là. Mais qu'est-ce qu'il faut par terre? Je peux le faire en mode beau gosse. Je me fais en mode contemplation. Et je me fais. Voilà, je m'allonge dans le jeu, je suis allongé dans le jeu. Le capteur gère très bien cette situation. Et là, regardez. Je suis Fabien là. Là, je suis un beau gosse. Et là, ça pète. Et là, je me mets un petit jeu avec des étoiles filantes, avec un faux pack de bière ici en 3D. Et hop, on est bien. Et je vais jouer avec les anémones. Du coup, je fous mes trucs par terre. On va se relever en évitant de passer par la fenêtre. Ah oui, alors, oula, la grosse méduse. Ou elle est fat one. J'ai envie de la. J'ai la tête un peu loin là. Il y a moyen que je me cogne. Oh là 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 là, regardez, on dirait une. Ah, excusez-moi, j'étais un peu vulgaire. Tire un peu une peau de couille. Regardez. C'est une énorme. C'est la méduse peau de couille. Mais en tout cas, ça marche. Allez, on va essayer de passer. S'approcher sans se cogner dans un truc là. Wow. C'est bien fait. Hein. On dirait un chou. Ça donne faim, ça y est, j'ai faim. Voilà, donc assez impressionnant, hein, techniquement assez impressionnant le HTC. Donc bien évidemment, je referai d'autres vidéos. Hein.
Mais là, ça essouffle, hein, c'est tout con, mais pour les gros comme moi, c'est très bien. Tu te baisses, tu te lèves. Alors, je suis où là dans la pièce? Je sais pas du tout où je suis dans ma pièce. C'est pas grave, c'est que ça marche bien. Allez, on va dire au revoir aux méduses. Et on pourra finir sur le dernier scénario que nous propose The Blue. Ouais, c'est très bien fait, c'est tout con, même les petits détails, vous voyez, des petits points qui flottent dans l'eau. Oh, regardez, la tortue, elle repasse. Salut! Oh. Et là, elle te chie sur la gueule. Plouf! Un caca de tortue. Alors, par contre, un tortue qui fait caca dans l'eau, le caca, il flotte, hein, je pense pas qu'il tombe sur la tête. Hein. J'ai toujours des idées. Des petits poissons. Regardez. Oh, putain, il me rentre dans l'œil, tu me bouffes l'œil, l'enculé. Voilà. Et on a fait donc la deuxième petit scénario. The Blue, la grande migration, la migration des récifs. Et on va partir, les amis, sur le dernier, qui moi me fait peur. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, je suis toujours là, je suis toujours là. On va partir sur le dernier qui moi me fait un petit peu peur, c'est celui-là. C'est l'abysse lumineux, alors c'est tout con. Mais moi il me fait peur. Dans le noir, ça c'est flippant, franchement au début. Quoi. Si, voilà. C'est assez flippant, vous êtes dans le noir, dans l'eau. Oh, c'est flippant, c'est angoissant, franchement c'est angoissant, moi ça m'angoisse. Ah oh, putain, enculé. Musique de merde. Ah, moi j'aimerais pas être un explorateur. Alors je sens la couille, je sens la connerie avec un énorme poisson dégueulasse. Oh putain. Ah, puis la musique, franchement c'est l'angoisse. Vas-y, vas-y, puis en plus il me fait des coups de putou, la lumière elle parle, elle revient. Regardez. Oh, ça pète. Regardez. Plop. Oh. Oh, c'est un peu flippant quand même. Oh non, la musique, faut pas les mecs me faire ça. Heureusement que c'est juste un jeu de poisson. Hein. T'imagines? Moi, un jeu VR genre zombie, je sais pas quoi, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine, je me fais un arrêt. Voilà. Voilà. Oh, bâtard. Oh. Oh. Je suis sur le squelette d'un pterodon Galacticus Novatus. Waouh, ça pète. Ah, je suis au milieu des. Oh là là, c'est un peu angoissant quand même. Hein. Les trappes tout blancs, les méduses qui clignotent boîte de nuit, les poissons. Allez, stop. Stop, tu m'angoisses avec tes conneries. Ah, c'est pas fini, putain, je me fous en boule, et puis je me fais enrouler comme ça par les poissons, ils vont tous me créer la gueule à la fin. Oh, oh, il y a un gros truc là. Un gros truc quelque part. Un gros truc qui fait du bruit. Oh, ah, c'est mort. Derrière moi. Vas-y, c'est quoi cette connerie? Un truc qui a fait fuir tout le monde. Non. Vas-y, casse-toi, ferme. Oh putain, heureusement que c'est fini. Oh non, mais. Oh, je peux pas. Ah, c'est tout con, mais. C'est tellement. T'es tellement dedans que. Putain, ça me fait suer. Oh putain, excusez-moi, les gars. T'es tellement dedans que. Il y a un côté grave angoissant. Bon. Oh les amis, c'était la première vidéo sur la HTC. Alors, j'ai l'air d'un con, je sais. J'espère que ça vous a plu. J'en ferai bien évidemment d'autres. Sur d'autres vidéos, sur d'autres mini-jeux, sur d'autres démos, vous allez voir. Je prendrai le temps d'en faire une paire. Donc, c'est la première. Soyez indulgents sur peut-être la qualité sonore ou technique. Hein. C'est pas évident de tourner ce genre de vidéo, hein. Surtout tout seul. Mais en tout cas, moi, ça m'a bien plu et j'ai hâte de vous faire découvrir d'autres choses sur le HTC. Je vous dis à très bientôt. C'était 15. Les amis.